Alors, encore un bel appartement meublé que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cet appartement et à quel prix vous allez l'avoir et comment est-ce que vous allez accéder à ce bel appartement. Regardez tout ce qu'il y a ici et on va y aller. On va commencer cet appartement. Là, vous avez ces balcons, mais avant, on est là pour l'appartement. Je vais vous montrer l'appartement. Voilà, on est là et c'est un appartement... Et c'est un appartement d'une chambre seulement, meublé, 100% meublé, que vous pouvez avoir au meilleur prix possible. Et je vais vous dire tout dans cette vidéo. Donc du coup, là, on a déjà à l'entrée, on a ces salons et on a ces porte-appareils plutôt cool. Je trouve que c'est un beau design. Et il y a l'écran là-bas, donc du coup... un design assez moderne, voilà. Je vous dis, les designs des meubles dans cet appartement, c'est fait volontairement parce que c'est très moderne actuellement de mettre plusieurs couleurs des meubles dans un seul appartement. Et vous avez un autre fauteuil ici où vous pouvez vous mettre, juste tranquillement comme ça. Juste, c'est juste un peu supplémentaire en fait, Et à part ça, qu'avez-vous d'autre dans cet appartement? Je vais vous montrer. Vous avez un réfrigérateur ici, un frigo qui est là avec un freezer au-dessus. Donc du coup, si vous avez des trucs très très froids, c'est au-dessus ici. Et les ashtrays pour faire vos propres glaçons. Et vous avez, voilà, il y a beaucoup d'espace dans ce frigo. Oups. Et là, c'est refermé, vous avez accès à ça, mais aussi de ces côtés, à part ces fauteuils, il y a un truc avec les lumières, c'est vraiment top, j'apprécie. Et de ces côtés, vous avez déjà un kitchen, une cuisine américaine liée à votre salon directement. Donc du coup, beaucoup de placards ici. Ok, et vous avez de casseroles là-bas. Vous avez de ce côté, d'abord, je devrais vous montrer ça de ce côté. De ce côté, vous avez cette cuisinière, c'est à gaz. Du coup, quatre plaques de cuisinière de gaz. Vous avez ici votre lavabo, un lavabo pour faire la vaisselle. Et vous avez beaucoup d'espace. Alors là, vous avez beaucoup d'espace où stocker des affaires. Même si c'est pour des locations pour séjour, quand même, vous avez tout ça qui vient avec. Vous avez des verres si vous voulez prendre du vin, si vous voulez prendre du champagne, de l'eau. Et vous avez également des tasses qui sont là. Donc du coup, c'est tout ça qui vient avec l'appartement. Et quand je vous dirai les prix, ça sera vraiment impressionnant les prix auxquels se loue cet appartement pour vous. Je vous dirai les prix, donc du coup, ne vous inquiétez de rien. Tous les détails, je vais vous les donner. Donc du coup, vous avez aussi des bols. C'est magnifique, ça. La dernière fois que j'avais vu ce genre de bols, c'était à l'expo des Syriens. Et regardez à quoi ça a l'air de ce côté-ci. Très top. Donc du coup, à part ces bols, on a quoi? À part les espaces que vous avez au-dessus, vous avez en bas aussi, ça c'est vide si vous voulez stocker des trucs. Donc vous pouvez louer ceci à court séjour, mais aussi à long séjour. Si vous venez à long séjour, vous pouvez rajouter vos propres affaires là-bas. Le courant, l'électricité et à cash power. Donc du coup, vous gérez vous-même votre électricité. Donc du coup, si vous louez ici pour les longs séjours, vous-même vous gérez votre électricité par cash power. Mais pour les courts séjours, vous avez l'électricité gratuite, l'internet gratuit qui vient avec l'appartement. Donc du coup, vous avez accès à internet et ça, vous avez, vous avez même un blender. Vous avez même un blender, donc un mixeur, c'est comme ça que ça s'appelle en français, pour faire vos jus de fruits, pour préparer vos repas, green meal, something like that. Donc du coup, vous avez, ça, super. Ça aussi, c'est super. Vous avez, comment ça s'appelle ces trucs? C'est un plateau. Voilà, vous pouvez placer un plateau, vous pouvez placer les verres ou autre chose. Et ça, c'est vide pour des trucs supplémentaires que vous voulez. Ça également, c'est vide. Ça stocke des trucs pour
pour ça c'est pour le les rideaux. Voilà. Donc du coup la cuisine, parce que je vais par là, vous allez voir que la cuisine elle est directement liée à votre salon, à votre living, et vous avez une belle vue, vous avez un balcon de l'autre côté et vous avez une belle vue à la chambre, il y a une belle vue, je vais vous montrer, c'est là. Donc du coup ça c'était le salon et la chambre elle est juste ici. Donc du coup je vais ouvrir la chambre et vous la montrer. Voilà, la chambre elle est là, la chambre elle est là, et au niveau de la chambre vous avez ces lits doubles qui est là. C'est lit double et vous avez une garde-robe de ce côté-ci. Donc du coup la garde-robe vous pouvez l'ouvrir là et regardez qu'il y a vraiment vraiment beaucoup d'espace pour cette garde-robe. Ok, c'est là où vous allez poser vos vêtements et vous avez des coussins supplémentaires, des draps supplémentaires. En fait il y a tout ce qu'il vous faut pour un court séjour, mais aussi pour un long séjour, parce que si vous voulez louer même pour un mois, ça dépend que de vous. Donc du coup, au niveau de la chambre, vous avez accès à deux balcons. Je vais vous montrer un seul parce que de l'autre côté, il n'y a rien à voir en fait. Mais vous avez accès à ce balcon ici et vous avez une vue. Regardez la verdure et vous avez d'autres appartements qui sont là. Regardez, vous avez la verdure. Vous avez une montagne de l'autre côté. Donc du coup, la vue, elle est vraiment, vraiment magnifique au niveau de la chambre. Et au niveau du salon, je vous ai dit que vous aviez tous... Oh, et là, c'est moi. Et au niveau du salon, vous avez juste une vue sur le balcon de l'autre côté. Du coup, à ce niveau, vous pouvez vous demander où sont les installations et je vais vous montrer. Mais avant, je vous ai dit qu'il y avait deux balcons. Il y a un autre balcon ici parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Je vais pas y aller. Il y a un autre petit balcon juste ici. Mais ma préférée dans cette chambre, c'est celle-ci avec la verdure, les montagnes de l'autre côté. Donc du coup, c'est un appartement à une seule chambre, mais avec des atouts nécessaires, parce qu'un appartement à une seule chambre, mais vous avez une belle vue et vous avez deux ou trois balcons, c'est vraiment top. Et là, ce sont juste les installations. Donc du coup, vous avez un lavabo ici, vous avez des toilettes qui sont là et vous avez un robinet pour se laver. Et vous avez un miroir ici où vous pouvez voir votre beau reflet, votre beau magnifique reflet. Oh, pourquoi je suis pas très visible? Et vous avez un miroir ici, vous pouvez voir votre reflet. Donc du coup, c'est ça qu'il y a dans cet appartement à une chambre. Maintenant, parlons du prix. Combien ça vous coûte la location ici pour long séjour? Alors, pour le prix de la location de cet appartement, c'est à $60 par jour seulement. $60 par jour. Vous pouvez les louer également à $800 le mois. Donc par mois c'est seulement $800 et par jour c'est $60. Vous pouvez les louer par jour, par semaine. Et par semaine, c'est à vous de faire les calculs, $60 x 7. Donc du coup, c'est ça, $60 par jour et $800 par mois.